L'abeille, une petite héroïne dans un monde immense. Les abeilles sont les pollinisatrices les plus importantes. Elles pollinisent près d'une centaine de cultures. De sorte que c'est le travail le plus fructueux au monde. Mais sans elles, a perdu des millions de colonies d'abeilles. Outre leurs ennemis naturels comme les ours ou les parasites, les abeilles doivent faire face à de nouveaux dangers. Les pesticides, la malnutrition et les virus affaiblissent nos pollinisatrices naturelles. Si douillette, je suis enfin arrivée. Oh, une petite nouvelle. Bonjour ma chérie, comment t'appelles-tu? Génial! Tout d'abord, commençons par t'apprendre à voler comme une abeille. Vas-y, fais bouger ses ailes. Pas mal. Maintenant, va à la salle de construction. Suis les marqueurs dorés. Ils indiquent toujours le chemin. Thank you.
avons un endroit spécial où tu peux apprendre à être une abeille. Il suffit de voler à travers cette fissure. Bon, pour être une vraie abeille, tu dois apprendre à récolter le pollen. Dans des couleurs différentes. Les fleurs ordinaires sont blanches, les spéciales sont vertes, les rares sont jaunes et les mythiques sont rouges. Et parfois, tu peux trouver une fleur violette légendaire. Maintenant, peux-tu me trouver 4 fleurs mythiques ? Thank you.
super boulot, petite sœur. Maintenant, tu as plein de rapido. Nous utilisons le rapido comme bonus pour voler plus vite. Essaye-le. Tu auras l'impression d'être une fusée. Une abeille sait comment déposer le pollen récolté. Allez, essaye! Fantastique! Tu es prête maintenant. Suis le tunnel pour retourner à la ruche. Je connais tous les rudiments. Je suis prête à accomplir mes nouvelles tâches. Eh bien, tu dois avoir hâte de te mettre au travail. J'ai hâte, oui, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Il y a beaucoup de fonctions différentes dans la ruche. Éclaireuse, garde, nourrice, mais la plupart d'entre nous sont des abeilles à miel, comme moi. Waouh! Je peux choisir ma fonction? Mais non, ma petite. C'est la reine qui décide. Tu dois aller la voir. Ne bouge pas! Pourquoi approches-tu de notre reine? Silence, mes gardes. Que mon tout dernier enfant s'approche. Eh bien, ma petite, tu es une abeille à miel maintenant. Va dans le monde. Récolte du pollen pour la ruche.
Quel trafic ! Je dois faire plus attention. Très bien. Allons chercher du pollen. Une abeille là-bas, et elle n'a pas l'air bien. Je vais voir si je peux l'aider. Bonjour, tu vas bien? As-tu besoin d'aide pour retourner à la ruche? Quoi? Je me sens pas trop bien. Mais laisse-moi tranquille. Thank you.
Arrête! Ralentis! Attends! Je dois trouver ma douche. J'ai peur que ce qui m'arrive. Je veux t'aider. J'ai peur que ce qui m'arrive. Petite fouineuse, tu vas payer pour avoir troublé mon repas. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. J'en ai assez, mais attends un peu. Hé, tu peux sortir maintenant en toute sécurité. Tu peux rentrer chez toi. Je me souviens maintenant. J'ai mangé un morceau de pomme pourrie. Elle avait vraiment un drôle de goût. Oh, je suis très malade. Ne t'inquiète pas. Elles vont t'aider à retourner à la ruche. Après tout, nous sommes une famille. Merci. J'ai bien travaillé aujourd'hui. Il est temps de rentrer. Thank you.
Des humains? Ils ne sont jamais venus aussi près. Que veulent-ils à notre arbre? Les humains essaient de détruire notre arbre. Ils se sont retirés pour l'instant, mais ils reviendront bientôt pour s'emparer de notre foyer. N'aie pas peur. À partir de ce jour, toutes les éclaireuses, et seulement elles, doivent rechercher un nouvel endroit pour que nous y vivions. Dur. Retournons au travail. Il nous faut encore plus de pollen mythique pour l'hiver. Mais le pollen mythique est difficile à trouver. Il est peut-être temps de visiter notre bibliothèque. Oui, il y a beaucoup d'endroits avec du bon pollen. Je devrais aller à l'extérieur pour les explorer. Je t'ai vu à la bibliothèque. Viens, que je te dise quelque chose. Tu cherchais du pollen mythique, n'est-ce pas? Tu devrais essayer le zoo. Il y a une gentille dame là-bas, avec des fleurs incroyables. Je vais danser pour te montrer comment y aller. Mmh.
compris. Je rejoins le zoo tout de suite. Que le pollen soit avec toi. Qu'est-ce que tu attends? Tu as le plein de pollen. Tu peux le rapporter à la ruche? Je sais, mais il y a une fleur splendide près d'ici. Peux-tu récolter son pollen? Bien sûr, je vais le faire pour toi. Maintenant, tu sais où aller. Bonne chance! Je vais voir si je peux trouver ta maman. Comment tu t'appelles? Chico. Je m'appelle Chico. Bonjour, êtes-vous la maman de Chico? Désolée, je ne connais pas Chico. Tant pis. Excusez-moi, vous êtes la maman de Chico? Hey, c'est moi qui parle, l'abeille? Je ne suis la maman de personne. Et maintenant, pousse! Oh, quelle grossièreté! Bonjour, je cherche la maman de Chico. Une abeille? Tu es un agent de... la reine? Parle! Toutes les abeilles servent la reine, mais... Bah, je le savais! Vous les abeilles, vous ne pouvez pas me tromper! Je suppose que c'est non. Pas la maman de Chico? Ah non, mais j'aimerais bien être maman. Tu ne l'aurais pas vue dans le coin par hasard? Qui ça?
C'est un secret. Un écureuil secret? Oui, c'est lui. Qui ça? Lui! Je vais continuer à chercher. Merci. Excusez-moi, j'essaie de trouver la maman de Chico. Ce n'est pas moi, je suis Yvette. Hein? Vous êtes une civette? Non, je suis un écureuil, je suis Yvette. Ouf, ces écureuils sont tous dingues. Excusez-moi. Bonjour, j'essaie de trouver la maman de Chico. Oh, pauvre Chico. Je connais sa maman. Super. Pourriez-vous lui dire que Chico la cherche? Voilà le problème, ma chérie. Elle est partie. Partie? Vous voulez dire... Non, je veux dire, elle vient de quitter la ville. Pauvre Chico. Elle a dû l'oublier. Nous, les écureuils, on oublie tout, tu sais. Mais je peux m'occuper d'un autre bébé. Où as-tu dit que Chico se trouvait? Oh, je vais danser pour vous indiquer la route. Ma chérie, je suis un écureuil. Dis-moi juste où aller. Ok, alors, écoutez. Notre parc. Bzzz. On va voir. Petite abeille, on aura le dessus. Thank you.
des poules. Des créatures horribles et effrayantes. Elles pondent des œufs comme nous. Mais leurs larves ne mangent pas de miel. Elles mangent des abeilles. Oula, ça, ce sont de gros animaux. Si la vieille abeille a raison, je ne dois plus être très loin. Le pollen coule de mes pattes. Je dois le déposer dans la ruche. Bravo, mon... Quel endroit magnifique! Tant d'animaux et d'humains. Mais je dois me concentrer et trouver la dame aux fleurs. Je détecte des fleurs très rares. La dame aux fleurs doit être tout près. Coule de mes pattes. Je dois le déposer dans la ruche. Toi, c'est le territoire des guêpes. Tu crois? Nous, les abeilles, nous avons aussi des dards, tu sais. Ouais, une abeille acharnée. Je détecte des fleurs très rares. La dame aux fleurs doit être tout près.
je détecte des fleurs très rares. La dame aux fleurs doit être tout près. Sally, tu vas bien? J'ai trouvé une fleur fantastique. Mais il y a des guêpes à proximité. Je n'ai pas peur. Indique-moi le chemin. Maintenant, tu sais où aller. Bonne chance! Thank you.
Je détecte des fleurs très rares. Bonjour. J'espère que tu n'es pas là pour récolter du pollen. En fait, si. C'est dommage. Dans ce cas, l'une de nous va passer un mauvais quart d'heure. Je détecte des fleurs très rares. La dame aux fleurs doit être tout près. Je détecte des fleurs très rares. La dame aux fleurs doit être tout près. Hello.
coule de mes pattes. Je dois le déposer dans la ruche. De récolter du pollen? Je n'ai pas envie, c'est barbant. Mais je connais une fleur tout à fait spéciale. Espèce de paresseuse. Montre-la-moi et je récolterai son pollen. Davantage, je dois rapporter ce que j'ai à la ruche. Je détecte des fleurs très rares. La dame aux fleurs doit être tout près. Avant d'en récolter davantage, je dois rapporter ce que j'ai à la ruche. Abeillette, surprise de nous voir. Des guêpes si près de la ruche? Vous n'êtes pas les bienvenus. Un défi! Bzzz! C'est exactement ce que j'espérais. Thank you.
Tu as gagné. Bzzz. Cette fois-ci. Mais la prochaine fois... Je détecte des fleurs très rares. La dame aux fleurs doit être tout près. Coule de mes pattes. Je dois le déposer dans la ruche. Salut Lisa. Quoi? T'es qui toi? C'est moi. Vous ne vous rappelez pas? Bien sûr que non. Nous les écureuils, on oublie tout, tu sais. Et j'ai beaucoup de choses à penser. Beaucoup. J'ai vraiment besoin d'aide avant qu'ils me mangent toute crue. Oh non! Vous mangez? Qui? Un chien? Un ours? Un chat? Un chat-ours? Les petits monstres, ils ont toujours faim, regarde-les! Maman, donne-moi à manger! Tu vois? J'ai tellement de bébés dont je dois m'occuper. Tu peux m'apporter des noisettes ou des champignons? Peut-être quelques larves? Peut-être pas des larves, mais les noisettes, je peux m'en occuper. Bravo à moi! J'ai récolté beaucoup de pollen. Il est temps de le porter à la ruche. Thank you.
Merci, mais il m'en faut plus. Avant d'en récolter davantage, je dois rapporter ce que j'ai à la ruche. Super! Juste un peu plus, s'il te plaît. Beaucoup de pollen. Il est temps de le porter à la ruche. Waouh! Regarde-moi toutes ces noisettes, cette mousse et tout le reste. Je me souviens pas les avoir récoltées. C'est parce que c'est moi qui l'ai fait. Oh, merci. Je me souviendrai toujours de ton aide. Qui que tu sois. Aider un écureuil et disparaître aussitôt de sa mémoire. Je détecte des fleurs très rares. La dame aux fleurs doit être tout près. Bravo à moi! J'ai récolté beaucoup de pollen. Je détecte des fleurs très rares. La dame aux fleurs doit être tout près. Jamais prendre le zoo.
C'est la guerre alors, l'abeille. Bravo à moi! J'ai récolté beaucoup de pollen. Il est temps de le porter à la ruche. Bravo à moi! J'ai récolté beaucoup de pollen. Il est temps de le porter à la ruche.